Cool. On va juste faire deux, trois Vas-y, plans. vas-y. Fais gaffe, je vais les mettre, tu vas pas être. T'es pas prêt. Jonathan, 8 mois que vous avez signé à l'OM, quel bilan vous tirez à titre personnel de votre adaptation, que ce soit sur ou en dehors du terrain? Un bilan, je trouve quand même dans l'ensemble très positif. Il y a eu un temps d'adaptation, je trouve, qui a été rapide, même s'il n'a pas été à 100% sur tous les aspects, mais en tout cas très rapide. Et voilà, j'ai pris pleinement conscience de l'endroit où j'ai atterri au fur et à mesure des matchs qui s'enchaînaient, et en même temps dans la vie de tous les jours aussi. Donc voilà, un bilan vraiment positif, même si je pense qu'il y a encore une marge supplémentaire à aller chercher et que je suis, à mon avis, encore en train de travailler pour aller la chercher, justement. Est-ce qu'il y a des aspects de votre jeu sur lesquels vous travaillez davantage, sur lesquels vous aimeriez progresser aujourd'hui en tant que joueur? Alors que je travaille, que j'essaye de travailler, c'est la finition, forcément, parce que non seulement ça me ferait des stats en plus, mais c'est surtout voilà, pour amener un peu plus encore d'impact dans ce domaine-là. Donc voilà, il faut faire évoluer son jeu, il faut tout le temps être à l'écoute de ce que le coach veut et de comment je peux amener mes qualités peut-être dans une animation un peu différente. Voilà, c'est tout ça qui fait que pour l'instant, je progresse et je cherche et je continue de bosser. Moins de situations de centre, 10 passes décisives, malgré tout, déjà en Ligue 1, un but. C'est quelque chose qui vous frustre? Vous parliez de la finition, vous aimeriez marquer plus souvent? Oui, parce que je me crée beaucoup de situations. Et quand je me crée beaucoup de situations où je me retrouve face au but ou dans des positions de frappe, ou des très belles positions de frappe, forcément, à un moment donné, ouais, j'aimerais être plus serein devant le but, être plus à l'aise et faire en sorte que ces occasions deviennent des buts et des points marqués pour mon équipe, plus que des situations où ça a juste été bien joué mais mal fini. Messi est à 12 passes décisives en Ligue 1, vous 10, finir meilleur passeur, c'est un objectif, c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête? Alors, objectif, je dirais un objectif, allez, on va mettre 80%. Évidemment qu'à ce niveau-là, si maintenant je peux finir meilleur passeur, je vais essayer de le chercher, mais ce n'est pas une fin en soi de me dire il faut absolument que je fasse plus de passes-dé que les autres pour que je sois meilleur passeur, parce que je sens que si je fais ça, je vais me focaliser que dessus et puis je vais peut-être dénaturaliser mon jeu au final. Donc, je continue de rester dans la course, je continue, et si on continue à bien jouer, à gagner des matchs, je serai à un moment donné encore décisif. Donc je laisse couler, je ne suis pas concentré sur ça, mais effectivement, quand il y a des situations qui me permettent d'ajouter des passes dé, je les prends. Vous savez qui est le défenseur qui détient le record de passes décisives sur une saison en championnat? Arnold. Combien? 16. 12, en championnat. Ah, en championnat, en 12. Championnat 12. En championnat 12 et toute compétition 16. 16. Mieux informé que moi. Ouais. Ah ouais, je l'avais vu. On a le même informat. Je l'avais vu, sans doute. Il en reste deux. Ouais. Ce serait quelque chose d'incroyable de le dépasser, Alexander. Ouais, Arnold. Ce serait dingue. Ce serait dingue. Vraiment, c'est... Si c'est, comme je l'ai dit, c'est pas un objectif. Mais effectivement, si près du but, évidemment que je vais le surveiller attentivement, forcément. Après, voilà, il me reste 13 matchs, 12 matchs. Donc... voilà, on va laisser couler, on va continuer à bosser, et ça va venir. Bon, il est comment Igor Tudor avec vous les joueurs? Il dégage une certaine poigne quand on regarde de l'extérieur. C'est pareil avec vous? Oui, bah non, mais parce que je pense qu'il est fidèle à lui-même. Ouais. Et il est comme ça avec tout le monde et voilà, il triche pas sur ça. Et voilà, il a son caractère, c'est dur parfois, c'est très cool aussi souvent, ça arrive aussi. Voilà, c'est quelqu'un de très exigeant et qui n'a pas peur de dire les mots qui blessent. Mais parfois, c'est pas plus mal aussi d'entendre des mots qui blessent que de se faire caresser dans le sens du poil pendant 6 mois et qu'après, on vous fait un reproche et que vous posiez des questions. Donc,
Bah, à l'image de l'OM, il va droit au but dans ce qu'il veut et dans ce qu'il a à vous dire et dans ce qu'il veut de vous. Donc voilà, fidèle à lui-même. Il vous a fait progresser, il vous a apporté, que ce soit mentalement ou même de par votre jeu, oui. C'est un ancien défenseur. Oui, après c'est mentalement surtout moi qui suis encore, mais un peu moins sanguin, un peu moins... Aujourd'hui je suis un peu plus calme. Un peu plus calme, ça me fait progresser sur ça, mais voilà, il m'aide aussi à comprendre que parfois c'est pas moi qui décide et que si j'ai besoin de dire quelque chose parce que j'aimerais aider sur certains points, et ben il a sa philosophie, il a son truc, il me dit écoute, où tu me suis à 200%, je veux, même si il est à l'écoute, c'est lui le boss et il veut nous faire savoir que c'est lui le boss et que voilà, c'est comme ça. Très bien. Y a un joueur dans l'effectif qui vous impressionne un peu plus que les autres ou alors qui vous a sauté aux yeux depuis que vous êtes ici, que ce soit par son travail ou son comportement sur ou en dehors du terrain? Avec le temps, j'en ai découvert plusieurs. Alors évidemment, au début, Alexis Sanchez, quand il est arrivé, effectivement, il bossait énormément en salle avant. Il s'infligeait quelques punitions à lui-même, des choses comme ça, mais ça c'est l'exigence du haut niveau. Et voilà, mais je veux dire un comportement, vous voyez Valentin Rongier dans un vestiaire, c'est extra. Enfin, il va à la salle tout le temps, il a une façon de se voir lui-même qui voilà, est bien rodée, il va à la salle, il fait ses soins. Et il déroge jamais à la règle, que ce soit un jour où il est fatigué, pas fatigué. Alors bien sûr, il peut en faire un peu moins parce qu'il est fatigué, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui tient sa ligne de conduite de A à Z et qui est franchement impressionnant. Et je veux dire, même j'ai un autre exemple, c'est Dimitri Payet. C'est la légende de l'OM. Il est arrivé cette saison, enfin, le coach est arrivé cette saison. Il joue pas beaucoup et pourtant, dans la mentalité, c'est... Il reste exemplaire. C'est extraordinaire, ouais, c'est ça. C'est d'une exemplarité dingue. Les discours, la poigne qu'il a dans ses discours, dans ses mots, cette envie qu'il dégage à chaque fois qu'il fait partie d'un vestiaire et que voilà, c'est. Enfin, franchement, pour quelqu'un qui pourrait très mal le prendre, il est quand même à 300% pour son équipe. Et c'est. Franchement, je trouve ça. Impressionnant. Ok. On va évoquer l'équipe de France, Jonathan. Jeudi prochain, 16 mars, Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour les matchs face aux Pays-Bas et à l'Irlande. À un jour près, oui. Ça fera un an jour pour jour que vous avez été appelé pour la première fois. Vous allez la suivre avec attention, cette liste? Ouais, comme toutes. Là, c'est... Effectivement, d'ailleurs, on parlait de recul, un peu de vision un peu passée tout à l'heure et... Et ouais, c'est dingue, ça va faire un an. Et pourtant, j'ai l'impression que ça fait 10 ans déjà, tellement il s'est passé des choses dans ma vie en tout cas. Mais non, oui, évidemment, je vais la suivre forcément attentivement. La déception de la Coupe du Monde, elle est derrière vous, tout est digéré, c'est du passé? Oui. Voilà, il a fallu un petit temps forcément et que... Mais voilà, c'est si j'y étais pas, c'est que chacun avait ses raisons. Moi, je continue de bosser, je continue d'être exigeant avec moi-même pour y retourner, parce que forcément, une fois que j'y étais, je vais y retourner. Après, il y a eu une phase difficile, c'est ce qui est, je pense, logique, surtout dans l'espoir. Après, c'est comme ça. Maintenant, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui m'attriste sur mon sort et qui attend que tout le monde vienne pleurer sur mon épaule en disant c'est vrai que t'aurais pu y aller. Ouais, bah tant pis, j'y suis pas. C'est à moi de montrer que j'aurais pu y être et en faire encore plus. Donc voilà, il m'a fallu une petite phase. J'ai pu aller me vider la tête un peu et après, voilà, je savais que quand je revenais ici sur le terrain, c'était pour me montrer à moi-même aussi que j'étais pas quelqu'un de faible au niveau de mon caractère et que j'étais capable de rebondir après des situations comme ça. En tout cas, si vous n'avez pas été appelé pour la Coupe du Monde, c'est parce que le sélectionneur, il l'a dit, il avait choisi de repasser dans une défense à 4. Mmh. Latéral droit, aujourd'hui, c'est un poste auquel vous pensez pouvoir vous adapter si vous étiez appelé en équipe de France à ce poste-là? Oui, je pense, parce que je trouve que le football a évolué
et que sur des postes de latéraux, il y a quand même pas mal l'aspect offensif aussi qui prend en compte. Évidemment que vous défendez un peu d'une façon différente, mais ça après c'est de l'adaptation tactique. Moi aujourd'hui, dans une défense à 4, en plus je vieillis, plus j'ai un peu d'expérience sur moi-même, et je me rends compte que c'est vraiment un poste qui peut et pourra m'aller encore pour les années à venir. Bon, en attendant un éventuel retour en bleu, vous avez l'air parfaitement épanoui aujourd'hui à Marseille. Est-ce que vous arrivez à vous projeter sur du long terme? Ici, vous vous imaginez rester plusieurs années, devenir un joueur important de l'histoire du club? Bien sûr que je peux me projeter. Aujourd'hui, je me sens très bien ici. Enfin, je veux dire, ma famille vient me voir de temps en temps, ils sont heureux pour moi. Avec ma copine, ça se passe merveilleusement bien ici. Enfin, le contexte est exceptionnel. Le foot, voilà, on vit pour des clubs comme ça. Donc, oui, si je devais me projeter, évidemment que je me projetterais longtemps ici. Parfait. Merci Jonathan. Avec plaisir.